The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Alors, voilà, je vous ai remontré un petit peu l'introduction. Alors, on va faire un truc aussi, c'est que pour chaque nouvelle zone, donc je fais à peu près des vidéos d'une demi-heure à peu près, hein, donc salut tout le monde déjà, je commence à être poli, on dit bonjour déjà, salut tout le monde, donc deuxième épisode de la série Hitman, je vais quand même expliquer pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, donc c'est un épisode qui, le gaming show ne sera pas terminé pour le moment en fait, puisque le jeu Hitman n'est pas terminé, puisqu'il est compartimenté comme je l'avais expliqué, et lorsque le scénario sera terminé vers Paris, je vous dirai si oui ou non je continue ce gaming show ou est-ce que je pense que ce jeu est une vaste blague. Voilà, entre l'un ou l'autre. Pour information, donc, on va essayer quand même aussi de vous proposer diverses possibilités pour terminer une mission, parce qu'il y a aussi une rejouabilité assez conséquente. Bien évidemment, si vous ne voulez pas vous faire spoiler la manière de faire, vous n'avez pas à vous soucier, vous quittez la vidéo ou vous... vous attendez tranquillement d'y jouer ou des choses comme ça. Bien évidemment, il y a plusieurs façons de le faire et ça, c'est une certitude. Alors, voilà. Donc là, on est là. Donc là, je dois rentrer dans cette zone, tuer un dénommé Jasper Knight, alors qu'il y a une ampoule là-bas. Ces conversations sont plus importantes que d'autres, tendez bien l'oreille. Ok. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Look, you really have to do this. Things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it, I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Voulez-vous suivre cette opportunité? Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Alors voilà, en fait, il vous propose... en fait, les différentes façons, donc il y a le dernier mot, parce que je l'ai dit, le sauf-conduit, et également tester un siège éjectable à l'intérieur, quelle drôle d'idée. Ah ça, par contre, je trouve ça un peu dommage, parce que là, il vous donne carrément les possibilités pour tuer un ennemi, ça c'est vraiment décevant. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas qui ne seront pas proposés, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut avouer une chose, on va baisser... alors attends, on va passer par là, parce que là je vois une nouvelle opportunité ici, avec un type qui est en train de... alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lancer, alors par contre on fait comment pour lancer? Voilà. D'accord, comme ça. Donc là, il faut que je lance la pièce. Je vais lancer là. Hello, you read me. Think we got some kind of jackass making trouble here? Là, je vais me diriger vers lui. On va se dépêcher. Se déplacer, déplacer. J'aime bien le Bartoli, on va le récupérer. Et on va se déguiser en police. Voilà. Ce produit peut vous guider à travers le monde grâce à vos repères de balises actifs. Là où vous donnez les indices à suivre, vous pouvez les désactiver. Gardez les repères de Basile, modifier les réglages. Minimum. Alors minimum, les icônes de tracker sont masquées. Vous pouvez toujours accéder à vos opportunités, tout ça. D'accord. Donc ça, en fait, c'est désactivable. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on va dire après, oui. C'est
toujours tentant de les utiliser, mais bon, après, on peut toujours partir de ce principe-là. Alors, attends, comment on fait? Alors, examiner le protocole de l'avion de chasse. Alors, ça va être peut-être le beau document que j'ai vu. Alors, je suppose que en fait, on va avoir plusieurs opportunités ensuite. Et on pourra chercher les différents endroits, comment on peut avancer, etc., etc. J'ai vu que dans la chaîne Bazar du Grenier, ils avaient trouvé avec la vodka et le jeu d'échecs. Est-ce que ça aussi, ça peut être une solution? Sachant que j'ai pour l'instant pas grand-chose pour pouvoir faire un petit peu de dégâts. Là, je vais passer par là. Ah, de la mora. Je pourrais pas trop dire ce que c'est. Ça peut être intéressant. Alors là, je suis en train d'avancer. Alors en général, dans la série Hitman, on a tendance à surtout visiter la zone au premier plan. On regarde un petit peu tout ce qui s'y passe. Pour voir... Oh, attention, il y a un homme. Est-ce que... Ah! La bouteille de vodka! Par contre, là, je me suis mis dans la merde. En théorie, je ne peux plus avancer. Bien. What? J'ai fait... Wow! What? Pardon, excusez-moi. Je viens de faire... Je sais pas si vous avez vu. J'ai traversé le mur. J'étais là. Ah ouais, non, mais c'est abusé. On va recommencer. J'ai traversé le mur. Non, mais c'est énorme. Bon, on va recommencer. Ah non, mais je vais vous le garder parce que là, c'est énorme. J'ai traversé le mur. Ah non, mais le bug graphique, il est monumental là. Alors attends, se déguiser, déplacer, voilà. Je vous le garde, hein. Je vous le garde parce que sans déconner, ça c'est un truc à montrer, ça. C'est un truc de. Attends, il y a un. Pourquoi je vois une. Ah, je crois que j'ai compris. En fait, regardez. Je crois que je commence à comprendre. Alors, par contre, si j'ai pas compris. Voilà. Lui, en fait, il a le protocole. Procurez-vous un. Ah, d'accord. Ok. En fait, c'était rien d'exceptionnel. Pour l'instant, je perds un peu de temps. Hey, you hear me? We might have a troublemaker on our hands. Ah ouais, non mais c'est exceptionnel. Oh, je l'ai super. Alors, déplacer. Mais non, pas comme ça. Alors, pour information, c'est totalement désactivable, hein, les petites opportunités. Je pense que c'est plus utile pour les débutants, hein, bien évidemment, mais je vais tester avec pour regarder un peu ce qui s'y passe. Pourquoi c'est... Ah, peut-être qu'il y a quelque chose là. Pourquoi la zone doit être en inspection? C'est exceptionnel. À quoi ça sert d'avoir la zone en inspection? Tu m'expliques?
c'était un problème avec la zone, vous avez vu? Il demande d'examiner le protocole de sécurité et bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Je vais aller là-bas. Est-ce que je peux courir? Ok. Bon, désolé hein, si j'ai pris un peu de temps, mais c'était énorme. Ah, on récupère la Morora. J'avais récupéré, j'avais vu la vote de la vodka. Donc je me dis, est-ce qu'on peut pas l'utiliser la Morora? Dans la chaîne Bazar du Grenier, ils avaient des fûts de champagne. Donc là, je vais récupérer la bouteille de vodka. Me barrer vite fait. Que lui peut. Attention. Ouais, je suis pas très. Je suis un peu visé avec mon costume de policier là. Ah, ce serait bien que je trouve un autre déguisement là parce que. Ah, les sauvegardes des fois ça vous fait des trucs chelous. Hein. Alors attends. Attention. Oh, he's the real McCoy. That KGB officer, Netsky? Yeah. Non, finalement ici il y a absolument rien. Là il me dit voilà. Et forcément ça amène ici. Et c'est là que j'ai eu le truc par contre. Évier débordant. Ah peut-être pour récupérer un déguisement. Peut-être une raison. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant. Que je peux monter. D'accord. Je peux pas battre. Enfin, je peux pas passer. Ouais, je pourrais déclencher l'alarme incendie, mais ça ne me servirait à rien. C'est par là. Je suppose que là, si j'essaie de grimper de l'autre côté, ça me mettra la même chose. Ok, she's refueled and ready for takeoff. Good work. Are we clear to go over the safety protocol? Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Good man. D'accord, il faut que je retrouve les. Je suppose que les protocoles de sécurité se trouvent aux côtés de l'avion. Là, on peut se camoufler si jamais on récupère. Ah, ça doit être ça. Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. J'ai pas de carte, je suppose. Non. Par contre, trouver un déguisement de mécano, ça court pas les rues. Hein. Procurez-vous une tenue de. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cuba. On a une nouvelle opportunité là. I know, but at least pretend you're looking. That man is KGB and pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly to failure. I hear you. Alors là, c'est la fameuse vodka. Officer in charge has ordered airfield security to get him a bottle. D'accord. En fait, on nous offre des opportunités de base. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce que finalement, on te donne pas tout. On te dit pas ouais, t'auras. On te donne quelques opportunités et c'est à toi finalement de trouver un moyen d'avancer. D'accord. Alors, l'idée est pas conne. Moi je trouve ça pas idiot du tout. Alors je sais maintenant que là j'ai me jumelé un peu la vodka et tout. Mais c'est pas mal. Je trouve l'idée. Attention, lui peut me voir. D'accord, il m'a pas vu. Je peux me camoufler. Alors attends, j'ai regardé ça. Procurez-vous une tenue de soldat. Ah oui, parce qu'il faut que je monte. Pour dire. Oui, mais il faut que je dérègle le truc du siège éjectable. Il y a un truc là. Manque le.
Ah, manquant clé anglaise, d'accord. J'ai cherché une clé anglaise. Et en fait, je vais prendre une tenue de soldat. Et ensuite, avec la tenue de soldat, je vais réussir à... Je vais passer par là. Et encore une nouvelle opportunité. Finalement, on a pas mal de choses. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, voilà. Donc là, il me... Alors... Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? Friendly advice. All right, I hear you. D'accord, donc là j'ai récupéré The slides depicting Knight's escape route from Cuba to his new home. Et en fait, tu peux suivre l'opportunité, etc. Death security expect a soldier to fetch the slides, whereupon the KGB officer. D'accord. Oh, c'est pas mal ça. Likely retreat. On peut vraiment changer, choisir celui qu'on veut. D'accord. Alors, j'ai récupéré la clé anglaise. Je l'ai vue, elle traînait par là-bas. En fait, en fonction de là où tu es, tu... Ah, voilà. Clé anglaise. Attention. Après, il faut avouer une chose. C'est vrai que le fait d'avoir ces espèces d'opportunités... rend le peut-être le jeu un peu facile, faut dire la vérité. Parce que là on vous tient vraiment par la main. Hein. Même si je comprends entre guillemets ce qu'il faut faire. Après, là je le fais avec. On va essayer de le faire sans. On va surtout recommencer. Hein. Ce que je vais refaire avec la vodka et tout le reste. Attention, il est là-bas lui. Est-ce que je peux. Ça n'a pas été évident là. Tendu. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Est-ce que je peux monter? Oui, pas de soucis. On va essayer de trouver d'autres façons de le faire, ça peut être sympa. Donc là, je suppose que je vais aller chercher Jasper Knight. Il est où Jasper Knight? Comme ça. D'accord, il est là-bas. Ok. Ça va pas être suspect si je fais ça. Monsieur Knight! Hello? Un garde qui suit là. Je peux lui parler. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Oh, must we really? Is it dangerous? Oh. Hey man. Faut l'accompagner. Et les idées sont pas mal. Hein. A priori, il va faire sauter ses éjectables et on va sans doute s'en sortir. Il est là-bas. Ok. Par contre, il y a un truc qui me gêne. Je les trouve vachement simplistes par rapport à ce que on pouvait proposer auparavant. Dans Absolution, si je m'abuse, il y avait quand même des morts assez intéressantes. Si je me souviens bien, il y avait des moyens, franchement, avec des trucs assez drôles, notamment dans Blood Money, il y avait le pistolet. Là, il y a ça. Bon, ça reste agréable. Hein. Je comprends tout à fait où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais c'est vrai que... Espérons... En tout cas, j'espère que toutes les morts... Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. J'espère que les morts seront... Enfin, les différentes façons de tuer sa cible sera plutôt de bonne qualité. All right. Après, le système d'opportunité a quand même un défaut. C'est que, sincèrement, on est quand même dans un système d'opportunité... On va pas se mentir, hein. C'est quand même... Ça simplifie groblement le jeu. Là, je l'ai fait, donc voilà. Alors, on nous propose. Alors, attachez. Step 1. Strap yourself in. Je vais le faire. Après, je vais le faire sans pour voir un peu ce que ça donne. All strapped in. Localiser la poignée d'éjection. Step 2. Locate the ejector seat. Je l'ai mis au minimal d'ailleurs. Hein. Just a moment. C'est bien ça, je l'ai mis au minimal. C'était ça.
Ouais, j'ai mis au minimal et pourtant. Alors, toutes les cibles des opportunités sont affichées. Les icônes de tracker apparaissent au jeu pour des opportunités suivies. Les icônes du tracker sont masquées. Vous pouvez toujours accéder aux informations sur les opportunités. Donc, on essaiera de le faire sans. Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Ah, c'est pas mal ça. On va poser le document. Et donc là, on se... D'accord, donc on obtient aussi des façons, et là on rentre chez soi comme si de rien n'était. Tu m'étonnes qu'ils ont trouvé le corps. Minutes. Sachant que j'ai rechargé plusieurs fois, pas... pour diverses raisons. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Est-ce qu'on a la possibilité de refaire le la partie? I hope you know what you just did. Non. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. Ça me fait penser d'ailleurs à... J'ai l'impression que 47, c'est un petit peu le... C'est la Select Soder d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, mais je pense... Ouais, ça doit être entre Hitman 1 et Hitman 2. Là, il est en train de montrer en fait les différentes victimes de 47. Ce qui ont fait justement sa grande réputation. You were always the best. Nobody ever came close. You define the art and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I've felt the cost. That's what defines me. D'accord. Ça va être ce type là qui va nous casser légèrement les pieds. On va refaire la dernière partie, vous savez, celle que
création de contrat. C'est, ouais, celle-là. On va essayer de trouver des moyens de les battre, hein, tout simplement. Et on va enlever les opportunités pour voir un peu si justement le fait de ne pas avoir ces opportunités rend le jeu, on va dire entre guillemets, plus simpliste. Parce que c'est vrai que si le jeu, bon, après si les opportunités sont relatives, bon, on va tout enlever, voilà. Je sais pas si on va y arriver, hein, mais... Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Donc là, ça reste du classique. We really have to do this. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Par contre, on va faire un truc pas trop bête. On va se calmer un peu. Parce que là, je suis en train de courir limite. Je vais attendre que les deux se barrent. Et on va essayer de faire avec la vodka. Vous savez, la vodka qu'on a récupérée. On va essayer d'utiliser la vodka et la Morora pour éliminer notre cible. Pour voir justement ce que ça passe. Et est-ce que ça enlève les défis? Ah! Ça enlève toutes les opportunités. Donc ça veut dire que les opportunités, c'est juste une ajout. C'est-à-dire que si vous... Oh, bon. Hein? Donc sur le principe... Donc sur le principe, okay. Il y a une histoire de... Voilà, ils ont... Ah! Merde! Ah, là, par contre, j'ai loupé le chier dans la colle. Ah, je l'ai réussi là tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger. D'ailleurs, je vais faire un truc. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Ah, voilà, ici. C'est pas la peine de recharger. Je vais recharger. Et je vais... Non, on va enlever les opportunités, par contre. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sans opportunité pour voir ce que ça donne. Voilà, non. Ah, peut-être que forcément, étant donné que c'était la partie numéro 3, là on peut pas le faire, il vous donne pas la possibilité. Ouais, je pose un peu de problème. Moi, parce que moi j'aimerais pas trop qu'on me guide. Vous voyez, j'ai l'impression d'ailleurs que le jeu il a l'air plus difficile. Hein. On a mis changer d'abri. Alors on peut faire vraiment du... Faire ça. Est-ce que je peux avancer? C'est bizarre le... D'accord, je fais ça. Et en fait ce que je vais faire, c'est que là je vais me diriger. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on proposait dans Hitman Absolution, hein. Vous aviez différents rangs de difficultés. Et là, c'est un petit peu la difficulté que vous donnez par rapport aux différentes possibilités qu'on vous donne. Ça me dérange pas plus que ça. Mais surtout pour les débutants, c'est évident que ça va paraître plus facile. Maintenant, la différence entre Absolution et Hitman, celui-là, c'est surtout le fait qu'on vous donne, entre guillemets, la possibilité de vous dire comment terminer la mission. Par contre, ça va. Je suis... Alors, pour les débutants, ça risque d'être sympathique. Ils vont pouvoir apprendre. Maintenant, il y a un tutoriel. Et ce tutoriel vous donne justement la possibilité d'apprendre les différents mouvements. Quel est l'intérêt concrètement de faire ça? Là, on vous donne tout, carrément, on vous donne des opportunités. Et j'irai même plus loin. Là, on vous dit, bon, vous pouvez pas l'utiliser, etc., etc. Admettons. Alors, attends. Se déplacer. On va juste le remettre dans le dispositif qu'on se repérait, voilà. Et surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier, regardez. C'est que même si vous pensez que vous n'avez pas vos opportunités, parce que je les ai désactivées, ici, vous avez quand même des découvertes, des succès qui vous sont proposés, etc., etc., qui vous donnent des indices. Par exemple, là, vous voyez, diapositive, électrocuté Jasper Knight pendant qu'il inspecte le projecteur. Donc finalement, même si on... Alors, on vous dit pas comment faire, mais il y a des moyens de le savoir, quoi. Mais bon, après, c'est des succès. C'est aussi des succès. On vous dit pas comment le faire, on vous dit que la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que l'aspect des opportunités pour aider peut-être les débutants, c'est une petite chose. Mais je suis pas convaincu que, à la limite, le tutoriel aurait suffi.
Et puis ça aurait pu permettre aussi aux faut arrêter un petit peu aussi, moi je suis désolé, faut arrêter un petit peu avec cette soi-disante obsession des éditeurs et des développeurs de se dire à un moment donné, il est débutant, donc il faut qu'on le tienne par la main parce qu'il est débutant. À un moment donné, le débutant, il apprend, il se bloupe, il fait des erreurs, c'est normal, il est comme il est, etc., etc. Mais il faut pas dire la vérité. Là, je vois qu'il y a un truc qui m'énerve déjà, c'est qu'il est en train de... Les opportunités, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant, nous apporte vraiment quelque chose, etc., etc. Mais ça doit pas être quelque chose qui doit nous empêcher de nous savonner le travail, entre guillemets. Et je suis désolé, là, dans ce cas-là, il nous savonne le travail. Il nous laisse pas vraiment la possibilité. Mais bon, ça, après, je trouve ça quand même assez dommage. Attends. Je vais passer par là pour voir ce qu'il y a. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu sidéré. C'est le fait qu'on vous dise carrément, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. À un moment, le gars il se plante, il apprend. Enfin, je sais pas vous, hein, je sais pas ce que vous en pensez, ça se trouve, vous avez peut-être une autre opinion de ça, hein. Peut-être que vous vous dites, non, Sio, il faut aussi aider les débutants, peut-être. Peut-être êtes-vous aussi des débutants, et peut-être que vous n'êtes absolument pas d'accord. Mais évidemment, moi qui ai déjà joué au jeu, enfin qui ai déjà joué à tous les Hitman, hein, j'ai fait tous les Hitman en question, c'est évident que moi je me sens un petit peu... Voilà, on se sent pris par la main, c'est très bien, mais être pris par la main, c'est une chose. Qu'on nous dise voilà. Alors par contre, est-ce que je peux faire des combinaisons? Alors c'est quoi, c'est ça? Elle est où la vodka? J'ai pas pris de la vodka? Non, bon, c'est pas grave. Là, je suis monté. That's a nice piece of merchandise you got there, but you know the rules. Secure it and put it away. Quintessential good Russian. All the way to the inner circle you want. Hey, oh merde! Who the hell are you? Ah, le système de sauvegarde aussi est sympa, hein, honnêtement. Ah, je suis loin. Si j'étais... Pardon. J'allais vous dire, si j'étais revenu, vous n'avez pas surpris. Bah voilà. On va recommencer. Après, c'est vrai qu'au niveau du gameplay, ça ressemble à du Absolution. Hein. Y a des petites choses qui ont changé, etc., etc. Notamment le fait, par exemple... sur le fait par exemple qu'il n'y ait plus ce système de cache tout, vous pouviez vous cacher, je sais pas si vous vous souvenez, on pouvait se cacher en mettant le visage sur la tête, des choses comme ça. Ouais, il y avait des choses comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont repris un peu le gameplay de Hitman pour l'améliorer peut-être un petit peu, notamment le fait que par exemple vous ne pouviez plus être repéré par tout le monde. Notamment par les soldats, quand vous avez des supérieurs hiérarchiques, l'idée est pas conne du tout. C'est qui m'a repéré? Ah, d'accord. Attention, parce que... Il y a des petits fleurs partout! Oh oh! D'accord, on va passer par là. D'accord. On va passer par là. Voilà. Il y a deux policiers ici. Parce que là, je suis en train de me faire... Je vais me faire repérer. Voilà. On peut sauvegarder. Ça aussi, il y a un truc assez étrange, c'est qu'on ne peut pas... On peut sauvegarder quand on veut. Dans Hitman Absolution, dans les anciens Hitman, on vous proposait un certain nombre de sauvegardes. C'était facile, je crois que c'était l'infini. Vous aviez 7, 3 et aucun. Je suis désolé, encore une fois, on obtient
plan du Dr. Soldier. Il a des célèbres. Note pour le commandement. Ah d'accord, donc toutes les informations que l'on a, en fait, on les obtient ici. D'accord. Problème d'échec. D'accord, donc en fait, on a plein d'informations qui arrivent et qui nous dit, voilà, il va se passer ça, etc. etc. Ok, ok. Attention, attention, je vais le mettre là, moi. Donc, il est là-bas, lui. Ok. Bon, je peux pas trop lui parler, là. Attention, attention. Heureusement que ça a été, c'était un soldat lambda. Parce que sinon... Donc là, je suis tout seul, a priori. Ouais, je suis tout seul. Trafiqué. C'est pas mal ça l'idée de mettre on va déplacer la reine en G3. Pour ça se servir. J'aime, c'est pas mal ça. Alors, attends, c'est quoi ça? Empoisonner vers de vodka. On va se dépêcher parce que... Ah, j'ai qu'une dose, d'accord. Placer bouteille de vodka. Ah, par contre, je ne sais pas lequel est les deux verres. J'espère que je ne suis pas trompé de verre. Alors, pardon. Yes, just the move I was contemplating. I appreciate the gesture, friend, but one genius is more than enough. Pas de soucis, je peux rester comme ça. Must be nerves. Fais voir. Ah, l'enculé! Ah, the fabled vodka. Well done, you. Hopefully that will shut him up. I feel too cold. And now I feel too cold. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh. Ah, je sais pas ce qui se passe quand on choisit la reine en telle possibilité. Donc là, ça reste le classique truc, c'est-à-dire qu'on va noyer le type. Voilà. On va me déplacer, on sait jamais. Ah. Bon, de façon, ça. Bon, attention. Ouais, de façon assez sympathique. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que l'histoire de mettre des échecs. Et après de faire une histoire avec la vodka, c'est pas mal, mettre l'échec. Justement, ça peut, si on se trompe de case, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça nous donne... J'aime bien. En tout cas, il y a un truc aussi qui me gêne. Alors par contre, il y a un truc qui me gêne. Je vais le dire direct, très honnêtement, j'ai l'impression qu'on nous tient quand même un petit peu par la main. C'est pas très compliqué, honnêtement. La vodka que tu trouves... À cet endroit-ci, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et alors certes, avec les informations... Après, on va quand même se calmer, parce que, faut pas oublier un détail, c'est que peut-être que grâce à la chaîne Bazar du Grenier, peut-être que j'avais vu le jeu d'échecs, ça m'avait plutôt bien aidé, on va garder ça en bénéfice de doute, mais je trouve que le jeu est assez simple. Alors, on va laisser la cinématique. D'accord. Bon, on va pas en faire plus parce que je pense que là, ça fait quand même deux manières de tuer que j'ai vu. Est-ce que je vous en montre une troisième? Quand même 39 minutes, c'est quand même beaucoup. Par contre, je peux sauvegarder. Je peux recharger. Je peux recharger et après vous montrer peut-être des diapositives. Alors, je crois qu'il y a deux autres façons. J'avais vu deux autres façons. Par rapport à ce que j'avais pu voir, je vais regarder. Je vais regarder parce que là, 39 minutes ça me paraît beaucoup. Bon, en tout cas, quand même, bon, il y en a deux. J'ai l'impression qu'il y en a 3, 4, 5, 6 qui vous sont proposés. C'est pas mal, honnêtement, il y a quand même du choix. Après, tout bonnement, moi je trouve quand même que il y a de la. C'est moins difficile à comprendre qu'avant. Honnêtement, j'ai pas senti une réelle difficulté dans la compréhension. Bon, après,
Je suis pas non plus devin, mais on verra avec la mission sur Paris qu'est-ce que ça donne, parce que là c'était le prologue et ici il y avait la version bêta qui était présente. Qu'est-ce que ça sera la version de la mission de Paris? Parce que forcément c'est là qu'on va vraiment juger le jeu. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde!